Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'août 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance sera pour mes lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Mais lions, garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, pour les mêmes raisons, à la même intensité, parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard, bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que comme ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides, ça puisse vous aider un maximum d'entre vous. Ce tarot sera la base de mes trois lignes et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, pour mes lions, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes lions. Allez. Ok. L'empereur. Ouh. Ok, donc là, on a l'énergie du bélier. Donc, bon, on est toujours dans le feu, ok. Mais là, c'est vraiment la stabilité, la prise de position, le fait d'entreprendre, le fait d'être stable. On est campé, on est en place, on fait ce qu'il faut. Et c'est surtout, il y a une certaine force tranquille, ok. L'empereur, c'est l'énergie du 4, donc je vous disais de la stabilité. Il y a le fait de prendre les bonnes décisions pour soi dans le quotidien, de se sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus en maîtrise de ce qui se passe dans le quotidien ou dans la gestion du quotidien ou dans une situation en particulier ou tout simplement une décision à prendre ou quelque chose à faire et à mettre en place de manière confiante, enfin vous êtes confiant ou confiante et vous passez à l'action. En tout cas, c'est soit vous gérez le quotidien, soit vous faites la bonne chose qui fait que ben, vous vous sentez stable dans le quotidien et beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en maîtrise. Ok ? Donc sur la carte, il y a écrit logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Ah ben ça, c'est sûr qu'avec l'empereur, il y a des décisions à prendre qui sont très... en rapport avec votre stabilité, en rapport avec c'est les bons choix qu'on a à faire pour soi et on le fait surtout en confiance. L'empereur est confiant. Vous voyez, il est décisionnaire, il tranche, il tient le monde dans ses mains et voilà, je veux dire, il est très stable, quoi. Allez, avec quelle énergie, on vous fait sentir ou avec quelle énergie on vous fait sentir qu'on est fier de vous? La reine d'air en envers. Vous ne vous justifiez plus. Vous prenez les décisions. En fait, vous ne parlez pas. Vous n'expliquez pas. Parce que la reine d'air en envers, c'est vraiment... la reine d'air, en principe, y voit clair. Elle réfléchit beaucoup. Elle est dans la réflexion. Elle a les idées claires. Elle a une certaine logique. Là, c'est comme si que intuitivement, en fait, vous n'aviez pas besoin de réfléchir, d'éclaircir vos idées, vos pensées. Non, c'est directement le passage à l'action. Pour celles et ceux qui avaient tendance à demander, poser des questions, essayer de comprendre, toujours essayer de justifier, être dans le dialogue, même si ça peut, parce que bon, la reine d'air, elle est dans le dialogue, elle peut communiquer, mais elle est plutôt tranchante dans sa manière de communiquer. Là, c'est carrément, je donne même plus d'explications, je passe à l'acte. Ce que je dis, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Enfin, surtout ce que je fais. Et je n'explique pas pourquoi je fais et je ne me justifie pas. Si vous avez l'impression de moins y voir clair par moment ou de ne pas savoir, vous savez, des fois, il y a des jours où des fois, dans certaines situations, on se dit, je le ferai bien comme ça, mais je sais pas pourquoi. Donc, on essaye de comprendre, on essaye d'y réfléchir, de tirer le pour et le contre, essayer d'éclaircir d'abord dans son esprit avant de passer à l'action et avant de mettre en place quelque chose. Eh bien là, il y a, je me pose pas un million de questions, je fais. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est t'as pas besoin de écoute plus tes aspirations
tu connais ta valeur. En fait, c'est ça, c'est tu connais ta valeur. J'ai l'impression que vous prenez conscience de votre valeur là sur le mois d'août, ou de vos compétences, vos capacités, en tout cas de maîtrise et de mise en place des choses, ou de décisions que vous prenez. Vous n'avez pas besoin de d'abord, comme vous convaincre vous-même que vous pouvez le faire, quitte à, au final, finalement, ne pas le faire parce que ben on finit peut-être toujours plus par douter de ce qui va se passer si on fait plus que si on ne fait pas. Là, c'est vraiment l'idée de « ok, je me justifie pas ». Par contre, vous avez pas envie de rigoler, hein. Là, la reine d'air en envers, elle rigole pas. Elle prend les décisions, mais c'est pas pour voilà, c'est pas pour badiner, c'est pas pour juste du fun. Non, 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 c'est vraiment pour une vraie stabilité. D'accord, c'est les bonnes décisions pour elle et elle estime qu'elle n'a pas à se justifier. Elle estime qu'elle n'a pas à poser de questions pour essayer de comprendre. Non, 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 c'est je vois, je constate, je ne dis rien et j'agis en conséquence. Donc ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, quel que soit le domaine, hein, d'accord ? Avant, vous pouviez avoir comme par habitude d'essayer de questionner. Il y a quelque chose qui cloche, soit vous avez l'impression de sentir quelque chose avec quelqu'un en face, peut-être qui communique moins, ou alors pourquoi si, pourquoi là, je ne comprends pas, quoi. Vous alliez chercher des réponses au travers peut-être de questions ou de justifications. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol et c'est « ok, j'arrête de chercher des réponses, les choses sont ce qu'elles sont, c'est pas grave, moi, je prends mes décisions pour moi en fonction de comment sont les choses. » Et puis voilà. Par contre, si on vient vous questionner, visiblement, vous ne vous justifierez pas. Vous ne vous sentez pas obligé, je dirais, de dire clairement tout le fond de votre pensée. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi, parce que la reine d'air, en principe, à l'endroit, a les idées claires. Là, en envers, elle pourrait avoir un peu moins les idées claires, d'accord ? Et avoir l'impression d'avoir comme un voile au niveau de l'esprit et de ne pas tout percevoir de manière claire ou en tout cas rationnelle. C'est pas grave. J'ai l'impression que votre prise de position et votre énergie d'action viendra largement compenser le fait de ne... Je veux dire, ça passe vite, quoi. Quand on commence à trop se questionner, on passe pas à l'action et ensuite on peut avoir des doutes, on y repense, etc. Là, le fait de passer à l'action, de se positionner et de faire les choses comme elles doivent être faites, finalement, ça permet de se dire, eh ben voilà, maintenant c'est fait, je me pose plus de questions. Et puis, basta, c'est comme ça. Vous voyez, il y a une certaine autorité, là. Allez. Et... si vous avez envie de faire quelque chose ou que vous pensez que se positionner comme ça, faire cette démarche-là, poser cet acte-là, ça pourrait sembler être contre-intuitif en comparaison de ce que vous aviez l'habitude de faire d'habitude, on vous dit, tente-le, même si ça, toi, ça te semble contre-intuitif, fais-le quand même. Si t'es poussé à le faire comme ça, écoute-toi. Parce que finalement, ce que vous pourriez penser comme étant pas habitué, c'est pas tant contre-intuitif, c'est contre-nature, ou j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, ou d'habitude ça se passe pas comme ça, ou d'habitude je ne fais pas comme ça. Eh bien, on vous dit c'est pas grave, arrête de tergiverser et fais comme tu sens que tu dois le faire sur l'instant. Ok? Parce que finalement, bah, c'est ce qui peut être porteur pour vous. Allez, quel conseil on vous donne, mes lions? Quel conseil pour mes lions, s'il vous plaît? Ok, qu'est-ce qu'on a? Le divin, avec la numéro 13, il y a une transformation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous dites, ok, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas forcément tout, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants et les réponses dans mon esprit, mais je m'en remets, c'est quand même un acte de foi. Ok. C'est je m'en remets à ce qu'il peut y avoir de plus grand que moi. Et vous dites, si inconsciemment, vous vous laissez un peu porter par votre inconscient qui vous a mené à peut-être vous positionner, prendre une décision, ne plus parler, ne plus justifier. Et ok, dans votre esprit, vous dites, ouais, mais pourtant, j'y vois pas clair ou je sais pas. Et bien, on vous dit, c'est pas grave, laisse-toi porter. Et le conseil qu'on vous donne, c'est, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas pourquoi maintenant et pas avant, pourquoi cet acte et pas un autre, pourquoi cette décision et pas autre chose.
J'ai l'impression que vous en comprendrez tous les tenants et les aboutissants au bon moment, mais là, il n'est pas temps de réfléchir, il n'est pas temps de tergiverser, j'ai l'impression qu'il est vraiment temps de se laisser porter finalement par son instinct. Ok, c'est vraiment ça. Et parce que... Ok, d'accord, je comprends. On me le fait comprendre comme ça. À chaque fois que vous avez cherché à vouloir tout comprendre, que les choses, tout soit dit, que tout soit transparent, que tout soit clair, etc., ça ne l'était pas forcément, ou alors ça pouvait être peut-être même encore plus flou que ce que ça l'était, que ce que ça l'était à la base. Et là, maintenant, on vous dit en prenant position, finalement, tu te laisses plus porter par ce qu'il y a de plus grand, c'est un instinct, il y a comme un instinct qui vous fait agir plus que réfléchir. Ok. Ouais, on veut plus que vous réfléchissiez, que vous tergiversiez. Là, on veut que vous passiez à l'action, que vous vous positionnez, et ce sera ok pour vous parce que ça va comme enclencher la suite. La 13, c'est la mort et la renaissance, d'accord? Donc, c'est la fin de quelque chose de vous, comme vous étiez. Ok, ou la fin d'une situation, ou alors vous actez quelque chose qui met un terme à quelque chose pour quelque chose de nouveau, pour commencer ou recommencer dans quelque chose de nouveau, ou alors vous fonctionnez d'une nouvelle manière, ce qui fait que vous n'appréhenderez pas votre quotidien forcément de la même manière, puisque vous vous positionnez avec une certaine autorité maintenant. D'accord. J'ai l'impression qu'il va pas trop falloir essayer de vous marcher sur les pieds, et c'est tant mieux. Allez, sur quoi on vous pousse, mes lions? Ok. Ouais, ok. Essayez de lâcher prise, justement, à ne pas trop vouloir tout comprendre où ça vous mène. Parce qu'un 6 d'épée, c'est l'évolution dans sa façon de penser. Ça peut être aussi des voyages et des déplacements, des déménagements. Mais c'est surtout rester dans un état d'esprit qui est là. Et ne pas évoluer dans sa façon de penser. On vous dit, ok, peut-être que ça te paraît, c'est pour ça que je sentais le côté, pas contre-intuitif, mais contre-nature. D'habitude, c'est pas comme ça que je ferais, c'est pas ce que je dirais, c'est pas ce que je mettrais en place. Eh bien là, j'ai l'impression que vous le faites, et du coup, vous êtes poussé à lâcher prise et à ne pas vouloir savoir où tout ça vous mène. Juste, ce qu'on veut, c'est que vous sortiez d'une certaine forme d'isolement, de solitude. Et même si vous avez l'impression que la décision que vous prenez ne vous mènera pas très loin, j'ai presque envie de dire que déjà, on ne sait pas. Peut-être que ça vous mènera plus loin que ce que vous pensez. Mais c'est surtout que le but là, il est de vraiment... poser cet acte de foi et surtout ne pas vous justifier déjà pour vous apporter quelque chose à vous-même. D'accord? Ça vous amène quelque chose à vous-même. Il y a vraiment cette idée de ne pas essayer. Vous êtes poussé, en gros, à avancer doucement, prendre une décision, vous positionner, avancer doucement et ne pas vouloir absolument savoir ce qui va se passer et après, et après, et après, parce que c'est source d'angoisse. Je peux comprendre que lorsqu'on prend une décision ou qu'on se positionne ou qu'on, quel que soit le domaine, hein, on a besoin de voir un peu à l'horizon ce qui pourrait se passer pour voir où on va et voir ce qu'on aurait à en récolter ou ce qu'on aurait à en retirer. Mais là, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que déjà, juste de bouger. C'était compliqué pour vous juste de passer le pas, de prendre des décisions, de vous imposer vous en tant que tel. Donc là, clairement, sur le mois d'août, on vous dit ne cherche pas à savoir où ça te mène, juste sors de ta grotte. Sors de ta grotte et puis ne cherche pas non plus à aller trop vite parce que finalement, vous voyez, ça c'est une carte de mouvement, le 6 d'épée, mais là elle est en envers, c'est donc ok. Tu veux avancer, tu veux te déplacer. Il y a des choses qui vont avancer petit à petit. J'ai l'impression que vous avez pu être déçu de pas mal de choses. Donc forcément, aujourd'hui, vous voulez, c'est ça, des garanties. Mais on vous dit que finalement, vous n'avez pas besoin de garanties. Ok. Ce dont vous avez besoin, c'est de réapprendre à avoir confiance en vous et surtout de ne plus peut-être
vous empêtrez et empêtrez votre esprit dans des choses qui ne vous font plus voir clair ou qui vous font douter de vous. Là, c'est vraiment l'idée de juste laisse-toi porter. Vois où ça te mène sans tenter de contrôler là où ça te mène, finalement. Ok. Très bien. L'ermite en envers ne voit pas forcément où il va, mais il y va de manière sûre. Ok. Y a vraiment là cette idée de sortir de l'idée que toute votre vie, vous serez seul, solo, célibataire ou qu'il n'y a personne sur qui vous pouvez compter. Voilà. Parce que l'ermite en envers, c'est vraiment... c'est pas... La solitude pour la solitude, c'est vraiment je me sens seule, quoi. C'est presque on se sent pas confortable dans la solitude, d'accord. Et quelque part, dans votre état d'esprit, il peut y avoir dans votre entourage, je sais pas moi, des gens qui communiquent moins avec vous, vous communiquez moins avec certaines personnes, et vous prenez position et c'est très bien pour vous. Mais si en parallèle de ça, vous dites « ouais, je serai seule, je serai toujours seule, je finirai seule » ou alors bah, « je suis tout le temps seule », etc. Évidemment que ce qui se passe autour de vous et les décisions que vous prenez en fonction de comment réagissent les autres autour de vous, effectivement, vous pourriez vous dire bah, « voilà, ça va bien, ça vient bien confirmer que je suis seule au monde », etc. Sauf que la solitude, c'est pas quelque chose de mal. Hein. C'est pas mauvais, la solitude. Et puis, c'est vrai... Je veux dire, le comportement qu'ont les gens de vous ne reflète pas qui vous êtes vous, ok ? C'est leur comportement à eux, ça les regarde eux, et ça ne vient pas confirmer que vous êtes bien ou pas bien sous prétexte que un tel ou un tel interagit avec vous ou pas, ou de telle manière ou pas. Vous voyez, c'est ça. Et j'ai l'impression que là, vous êtes poussé à comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui dans un sentiment de solitude n'est pas voué à rester éternellement comme ça. Ok. Je sais pas du tout comment ça va vous résonner, mais Lyon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là, c'est quand même particulier. Mais voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, s'il y a des gens nouveaux qui rentrent dans votre vie ou l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, ou peu importe, bah vous pourriez avoir de suite comme une espèce d'appréhension et vouloir avoir des garanties de ouais mais c'est quoi tes intentions, mais pourquoi, mais si, mais là, vous voyez, parce que peut-être la peur de nouveau d'avoir ce sentiment de se retrouver seule si cette personne, je veux dire, ne nourrit pas la relation, ne communique pas, ou vous voyez, ici un peu de ça là. Très bien, ça peut être la déception relationnelle. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Ok. 5 d'épée à l'envers. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Vous arrêtez de vous torturer l'esprit, là. Clairement. Le 5 d'épée en envers, c'est les conflits. C'est les questions et les réponses qu'on se pose, qu'on turbine, qu'on tourne en rond. On se pose une question, on n'a pas forcément la réponse, ou alors on se crée une réponse qui est forcément pas forcément très lumineuse, puisqu'il y a une situation qui peut tracasser, et on vous dit, en fait, finalement, c'est pas dans ton esprit que le déblocage va se faire, c'est dans ton positionnement et dans l'acte, dans les actes. Pour certains et certaines aussi, vous fuyez un peu la solitude, c'est-à-dire que dès que vous vous sentez seul, vous avez absolument besoin, ou parce qu'il y a une situation en particulier peut-être qui vous frustre ou dans laquelle vous n'y voyez pas clair, vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse ou vous vous sentez pas forcément très à l'aise dans cette situation. Plutôt que de rester seul, de peut-être rester en place, peut-être que vous avez tendance à beaucoup bouger, avoir un tas de trucs de prévus, partir à droite, partir à gauche. C'est-à-dire que quelque part, on trompe la solitude en voulant absolument bouger, faire des trucs et se mettre en mouvement pour éviter de penser. Mais le truc, c'est que ça amène un stress supplémentaire, une fatigue, parce que mine de rien, le mental dans l'inconscient, il continue de ça turbine, quoi. Et quand on rentre le soir de tout ce qu'on a eu à faire, ou de tout ce qu'on a fait, ou ce qu'on a décidé de faire, évidemment que on est encore plus fatigué. Et quand on rentre chez soi le soir, les tracas, ils sont toujours là, finalement. Alors oui, ça vous a permis peut-être de ne pas avoir à vous tracasser seul dans la journée ou un ou deux jours à rester chez vous, mais c'est parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que on vous fait travailler sur. Tu peux rester seul en étant bien seul et te rendre compte que la solitude n'est pas forcément quelque chose de négatif.
négatif, pardon. Et c'est surtout que là, vous pourriez vous décider d'arrêter de bouger, voyager, être toujours comme en interaction, parce que le 6 d'épée, il est en mouvement, il est en voyage et il est dans la communication. Et vous pourriez vous dire, ok, j'arrête de communiquer, ok, je suis seule, d'accord, ou je me sens seule, mais c'est une sensation. En attendant, je règle mes pensées et je règle mes conflits intérieurs au travers du fait que je suis seule avec moi-même. Je dis pas que c'est super agréable, je dis juste que ce sera que c'est nécessaire et que vous devez et qu'on vous fait travailler ça peut-être sur le mois d'août. Vous êtes poussé à ne plus repousser quelque chose qui vous tracasse. Et puis c'est surtout que vous rendre compte que même si vous êtes seul avec vous-même, vous n'allez pas forcément ruminer. Sauf que vous avez besoin d'expérimenter peut-être, ça peut durer 15 jours, 2 jours, 3 jours. Sauf que d'expérimenter le fait d'être seul peut vous montrer que bah ouais, finalement, ah tiens, j'appréhendais d'être seul à la maison ou j'appréhendais de ne pas être trop en interaction avec un tel, par peur de d'être là et de ruminer, de turbiner. Et au final, je me rends compte que ben je ne rumine plus. Sauf qu'il vous faut un silence, il vous faut faire ce temps de pause là pour vous rendre compte que le brouhaha que vous appréhendez d'entendre dans votre esprit n'y soit plus. Mais pour ça, il faut vous permettre de vous créer le contexte. C'est ça. Ok. Vous évitez tout conflit. J'ai l'impression que vous pourriez prendre la décision de vous dire « Ok, je préfère être seule que mal accompagnée. » D'accord. Très, très bien. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous justifier et d'avoir, encore une fois, devoir trouver des solutions. Là, voilà, parce que c'est prise de tête. C'est prise de tête et c'est conflictuel. Et finalement, ça ne vient pas régler le problème puisqu'au final, quand on s'est suradapté dans son mental vis-à-vis de quelqu'un ou des autres ou d'une situation ou peu importe, eh bien au final, ça ne règle pas forcément la problématique. Et à chaque fois que bah, vous constatez que bah, finalement, il n'y a rien qui a changé, boum, allez hop, vous avez l'impression de repartir pour un tour de « ah, ça me... » Vous voyez, c'est ça. De bah, « tout ça, ça aura servi à rien, déception, etc. etc. » Et du coup, bah, ça vous amène même aussi par moments, pour certains et certaines, à ne pas être très sympa envers vous-même, du style « mais tu le savais, mais qu'est-ce que tu as fait, mais de toute façon, mais là, là. » Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en plus, après, on s'en veut et on s'en... Presque, on n'est pas sympa avec soi, quoi. Ok. Allez, quel conseil pour mes lions ? Le non-jugement. Déjà, ne vous jugez pas. Ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous dans votre propre jugement. Ne vous dites pas, ouais, je suis pas capable d'être seule, machin, nanan. Si je suis seule, je me sens nulle. Moi, j'ai un truc comme ça. Je me sens nulle et inutile si je suis seule, etc. Déjà, vous n'êtes pas seule. Ok. Elle est trop belle, cette carte. Ok. Il y a quelqu'un de proche de vous qui ne vous juge pas et qui vous comprend. Ok. Et puis, c'est surtout que vous ne vous jugez pas non plus. Il y a la part lumineuse qui est en vous et il y a la part d'ombre. C'est soit deux personnes, d'accord, et vous avez quand même peut-être quelqu'un, un ou une amie, une sœur, une maman, quelqu'un de suffisamment proche de vous pour peut-être exprimer un petit peu tout ça qui ne sera pas dans le jugement. Ou alors, on vous conseille peut-être, vous, de ne pas mal vous juger et peut-être de vous confier à quelqu'un sans vous juger ou à quelqu'un qui ne vous jugera pas, d'accord. Sinon, on vous dit, en fait, il y a ta part lumineuse, d'accord. Il y a la part en lumière en toi et il y a la part d'ombre. Et la part d'ombre en chacun de nous n'est pas là pour... c'est pas bien ou mal. C'est que la part d'ombre, elle a une fonction. C'est bien qu'elle existe parce que cette part d'ombre vient faire comme des petites alertes quand c'est elle qui réagit, cette part-là, vient faire des alertes et vient avertir la part lumineuse de « Ouh, regarde, là, il y a ça à traiter. » Là, il y a, voilà. Et donc, ben, des fois, on prend des décisions ou on prend des choix en fonction de sa part d'ombre ou sa part de lumière et c'est OK. Mais j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à retrouver entre les deux pour pouvoir, je dirais, ben ouais, retrouver un équilibre juste avec soi-même. OK. Ne vous jugez pas trop durement et j'ai l'impression que même si certains ou certaines peuvent vous juger en fonction des décisions que vous prenez ou de l'état d'esprit que vous avez décidé d'adopter là sur ce mois d'août,
Vous laissez les gens vous juger. Même s'ils ne comprennent pas, vous dites, c'est pas grave, il ou elle a rien compris, mais c'est pas mon problème, en fait. C'est pas mon problème. Il ou elle veut me juger, ok. Ou alors, vous pourriez carrément dire, je ne te permets pas de me juger. En fait, je ne t'ai pas donné l'explication, j'ai juste pris une décision. Et c'est pas parce que la décision que je prends ne va pas dans ton sens que forcément je mérite d'être jugée. Et vous ne vous jugez plus mal ou bien, en fait, vous êtes plutôt neutre, j'ai l'impression. On vous conseille d'être plutôt neutre et de ne pas être soit trop satisfait de vous, parce que c'est vrai qu'à un moment, on pourrait être dans, du coup, l'ego, ok? Soit trop dans le « ouais, mais je suis nulle, mais j'y arrive pas, mais j'arrive à rien, mais on veut pas de moi, mais nani, et nana. » Vous voyez, tout ça, là. On se comprend pas, et je comprends pas, et je comprends pas. J'ai ça. Si on cherche absolument à comprendre et avoir une réponse rationnelle, d'accord, à ce moment-là, on est avec l'ego, on est dans l'ego. On est dans le « je veux absolument avoir des réponses ». Mais pourquoi ? Pourquoi ? Les réponses, on les a quand c'est le bon moment. Et bien souvent, on a même les réponses quand on ne les demande même pas. Et c'est surtout que de vouloir aller chercher des réponses, vous risquez de plus vous prendre la tête qu'autre chose. Là, il n'y a pas de jugement. C'est OK avec moi-même, d'accord ? Je rééquilibre ma part d'ombre et ma part lumineuse et je ne me critique plus, je ne suis, voilà, c'est par bienveillance. Je sens vraiment le côté, je vais un peu me lâcher la grappe, quoi. Je vais un peu me lâcher la grappe et arrêter de vouloir toujours tout comprendre pour m'adapter au mieux, pour mettre en place les choses au mieux, pour communiquer au mieux. C'est au mieux pour qui ? Pour vous, pour l'autre, pour les autres ? C'est au mieux pour qui ? En fait, quand une relation doit être ou doit continuer, elle est et elle continue. Il n'y a pas à tergiverser. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire, pas dire, faire, pas faire, machin. Je veux dire, tout ne dépend pas de vous. Et c'est surtout que les autres ont leur part de responsabilité aussi. Et s'ils ne veulent pas ou s'ils n'apportent pas de réponse, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de la valeur et que vous devez continuer à vous surpasser pour trouver les solutions, pour continuer à fonctionner avec ces gens-là ou cette personne-là ou dans ces situations-là, de manière générale, si ce n'est pas relationnel. Ok. Très bien. Et en même temps, on vous pousse aussi à sortir de la solitude parce que mine de rien, là, vous pourriez vous dire « Ouais, mais bon, s'il y a des gens qui virent de ma vie, là, ou s'il y a moins de relationnel ou moins de communication, on pousse à... Ouais, mais est-ce que c'est parce qu'on est entouré qu'on se sent forcément accompagné ? Est-ce qu'on se sent pas seul dans ses relations ou dans sa relation ou dans ses interactions finalement au quotidien ? D'avoir des gens physiquement présents avec soi ne veut pas dire qu'on n'est pas seul. Hein. Ça veut juste dire qu'voilà, y a des gens qui sont là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'y passe quand les gens sont là ? C'est ça. Et quelque part, on vous fait faire peut-être du ménage et de la place relationnelle, seul un temps, peut-être pour pouvoir être seul un temps, pour pouvoir accueillir, sans prise de tête, les vraies bonnes personnes qui... C'est pas que les autres sont des mauvaises personnes, mais c'est juste que c'est comme tout. Tout est voué à évoluer, à se transformer, à changer. Donc, peut-être que il y a d'autres personnes qui doivent rentrer en interaction avec vous parce que le chemin que vous commencez à prendre ou la personne que vous êtes maintenant résonnera bien plus avec ces nouvelles relations ou ces relations qui continuent, mais parce que les choses sont claires, que l'inverse, finalement. Que de s'accrocher à ce qui est, ce qu'on veut absolument faire fonctionner, et on comprend pas pourquoi avant ça fonctionnait, maintenant ça fonctionne plus. Mais parce que faut être à plusieurs et chacun mettre sa pierre à l'édifice et la main à la pâte pour que ça continue à fonctionner. Et si les autres ne le font plus, c'est pas parce que vous ne valez pas le coup. Non, c'est juste parce que eux, peut-être, prennent un autre chemin ou j'en sais rien. Et c'est pas de votre faute. Soyez pas trop dur. Presque même avec ces gens-là, même si j'ai envie de dire, des fois, d'exprimer un peu sa colère, c'est pas, ça fait pas de mal. Mais je veux dire, voilà. J'ai l'impression que vous allez vouloir dire, OK, je vais prendre les choses comme elles sont de la manière la plus équilibrée possible et ne pas me laisser influencer par ce mental qui turbine, non, je vais prendre les faits, je vais prendre des décisions en conséquence, basta. C'est tout. Allez, hop.
Sur quoi est-ce que vos guides vous soutiennent et vous réconfortent, mes lions? Waouh! Alors, j'ai la 8 de bâton, c'est la principale, celle que j'ai vue. On parle de rapidité, de beaucoup de démarches, de communication et du valet de coupe. On vous dit bien que tant que vous êtes coincé dans des relationnels où vous tentez de mettre de l'énergie et de comprendre, tout ce qui vous attend autour dans des nouveaux projets, dans des projets de cœur avec le valet de coupe, dans des nouvelles rencontres, dans quelque chose qui est beaucoup plus porteur pour votre âme et votre âme d'enfant, d'accord ? Comme si qu'aujourd'hui, votre âme d'enfant ne s'épanouissait plus dans les interactions ou les activités ou les projets ou dans ce que votre âme est en train de vivre finalement, où l'enfant en vous ne s'épanouit plus au travers de tout ça. Et donc, on vous rassure en vous disant tu veux remplir ton coffre de voiture de nouvelles choses, d'accord, mais il faut commencer par vider tout ce qui encombre. Et c'est ça, et vous dites, ouais, mais bon, qu'est-ce qui me garantit qu'on me le remplira? Ben, au moins, ça aura le mérite d'être vidé, déjà. Ça se remplira après quand ça se remplira. Il y aura, mais les choses iront beaucoup plus. Là où on veut vous rassurer, c'est qu'on vous dit, à partir du moment où tu auras fait le ménage, ou à partir du moment où tu auras décidé de vraiment te positionner, d'avancer et de faire les bonnes démarches pour toi, oui, ça peut être stressant, hein, parce qu'avec un 8 de bâton, c'est beaucoup de choses à gérer et peut-être beaucoup de communication à passer ou à devoir gérer, etc. Mais c'est de l'avancement, c'est de la rapidité, c'est de la démarche, ok ? Les choses iront beaucoup plus vite dans le « Ah, je me sens bien mieux de suite », dans quelque chose de porteur au niveau de votre cœur, dans un nouveau projet, dans des nouvelles relations, dans un état d'être, je dirais, qui est nouveau ou renouveau et qu'enfin, on peut se permettre de savourer. Et ça, ce côté... Le côté, c'est le valet de coupe, le côté bonne nouvelle, gentillesse, invitation, etc. Mais plus de qualité que parce qu'on en a l'habitude, d'accord ? Ça arrivera plus rapidement que ce que vous pensez. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes en interaction, vous communiquez, vous allez à des invitations ou on vous invite ou je sais pas, il y a des interactions comme ça, vous n'êtes peut-être pas tout à fait satisfait. Vous n'êtes plus satisfait. Et on vous dit ça, tu peux le retrouver, mais la personne ou les personnes qui pourront t'apporter ça est beaucoup plus en adéquation avec qui tu es, ne pourront le faire que quand tu auras de la place. Quand tu auras de la place. Ok. Si vous sortez d'une solitude, vous pouvez avoir peur aussi de l'échec, de vous dire, ouais, mais si je fais la démarche de vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau ou trouver un nouveau travail, quelque chose qui vibre dans mon cœur comme un projet de cœur, suivre mon cœur, suivre les aspirations de mon cœur. De quoi j'ai envie et je le suis et je communique en faveur de ça, d'accord ? Et si ça marche pas, on vous dit que ça ira rapidos en fait. Ça ira beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Et non, vous n'allez pas être seul, perdu comme ça au milieu de la rue à pas savoir où vous allez juste parce que vous êtes sorti de chez vous en fait. Les choses se feront de manière rapide, ce qui fait que du coup, en plus, vous pourriez même être surpris de l'énergie qu'il y aura à y mettre dedans, ok ? Moi, j'ai vraiment l'accélération des aspirations de votre cœur qui arrivent et on veut vous rassurer et vous soutenir là-dessus, ok ? Avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte, mes lions ? Celle-ci, ok. Ben, le valet d'eau en envers, faites-vous confiance émotionnellement. Vous n'êtes, ok, je dois vous le dire comme ça, vous n'êtes plus naïf ou naïve. Vous n'êtes plus... On vous a mis en position où on vous a fait croire que voilà, vous étiez immature, pas capable, d'écouter votre sensibilité ou quoi. Et là, on vous dit, aujourd'hui, vous êtes... mature. Aujourd'hui, vous écoutez beaucoup plus votre aspiration et votre âme d'enfant, votre créativité que ce que vous le faisiez avant et ça revient. Peut-être que vous manquez de confiance en vous aussi parce que vous dites, ouais mais en accordant de l'importance à telle personne, telle relation, telle situation, tel projet, et ci et là, j'ai été naïf ou naïve. Non, vous deviez l'expérimenter pour apprendre. C'est différent. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous entreprendrez, vous aurez toujours, au moins au début, cette posture de
novice finalement, mais faites confiance à vos sentiments et à vos émotions. J'ai l'impression que là, on vous dit, on peut plus te berner, en fait. Tu vas plus te faire berner émotionnellement. Et quand bien même quelqu'un aurait la volonté de vouloir vous berner, n'oubliez pas, on a quand même commencé avec l'énergie de l'empereur, mais Lion, donc vous n'êtes plus du tout naïf ou naïve. Mais ce n'était pas tant de la naïveté, c'est vraiment de la vraie bonté de cœur pure, en fait. Certes. Donc forcément, quand on se fait berner, ben oui, on se dit oui, j'ai été naïf ou naïve, mais là, il y a vraiment l'idée d'arrêter de mettre ses aspirations, son cœur d'enfant, ses rêves, ses aspirations, ce qu'on aimerait suivre de côté et de toujours faire passer autre chose avant. D'accord? Là, c'est OK. Mes projets, mes aspirations et mon cœur, je le fais passer en premier. Très bien. Il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet. Je n'ai pas l'impression que c'est à vous de faire le pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous est proposé et ce sera à vous de saisir l'opportunité. OK. Non, ce n'est pas celui-ci. Quel conseil on donne à mes lions? OK. Bah, très bien. L'Esprit Saint. Ouais. Vous n'avez plus besoin de tergiverser 107 ans et de vous torturer l'esprit à savoir ce que vous devez faire, pas faire, dire, pas dire, comment le dire, comment en est. Non, vous avez les idées claires en fait. Vous n'avez plus besoin. Voilà. Peut-être qu'on vous a fait croire aussi que, vous savez, souvent, hein, quand les gens cherchent à obtenir des choses, c'est au final, c'est vous qui n'avez pas compris, ou c'est vous qui avez déformé, ou non, c'est pas vrai, la passe. Vous savez, et puis on se dit, je suis pas fou, je suis pas folle. OK? Non, non. Vous avez les idées plus que claires. Aujourd'hui, vous savez pertinemment avec votre esprit ce que souhaite votre cœur. Et j'ai l'impression que vous avez quand même le divin et l'Esprit Saint. Moi, j'ai l'impression que vous ne serez pas seul là-dedans. Et j'ai l'impression que vous comprenez aussi quel a été le rôle qu'a joué votre part d'ombre quelque part, celle qui a peut-être existé un petit peu plus depuis quelques temps, au travers des situations qu'on vit, c'est parce que c'est elle qui est venue alerter votre part de lumière de « Ok, maintenant en conscience, de manière logique, pragmatique, je ne vais plus perdre de temps, plus perdre d'énergie, je ne vais plus douter de moi, je ne doute pas de moi. Et moi, je sais que ce sont les bonnes décisions pour moi. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment avoir l'esprit clair. Vous avez l'esprit clair, sauf que vous ne passez plus par l'étape de « je le justifie, j'essaye de trouver des réponses ». J'essaye de réparer des trucs. J'essaye de comprendre. Oui, regardez, la traversée du désert. Vous avez traversé quelque chose, d'accord? Soit main dans la main avec quelqu'un peut-être avec vous, ok? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous êtes accompagné, la seule personne qu'il y a à l'intérieur de vous-même, c'est vous, ok? Même si vous êtes accompagné, la seule personne qui traversera quelque chose, qui devra prendre des décisions, qui doit mettre les choses en place ou qui a traversé quelque chose de difficile, c'est vous. OK ? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes déjà votre propre meilleur ami et que quoi qu'il arrive, vous saurez avancer vous-même avec vous-même, même si vous êtes dans des phases qui sont moins sympas que d'autres, vous acceptez toutes les parts de vous comme elles sont. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, la traversée du désert s'arrête finalement parce que je l'ai sur le fond, je l'ai dans le dos du deck. C'est long, c'est lent, c'est laborieux, mais au final, est-ce que ce ne sera pas la traversée du désert jusqu'à la fin de notre vie? Mais ce qui ne veut pas dire que ce sera difficile, d'accord? Ça veut juste dire que de toute façon, tout est une traversée. Et là, j'ai l'impression que par contre, quelque chose de difficile pour vous s'arrête. D'accord? Cette sensation de vraiment de solitude, de sécheresse, de vous savez, on traverse le truc à la bougie, là, c'est compliqué. J'ai l'impression que ça s'arrête. Les choses s'accélèrent et aujourd'hui, les opportunités arrivent. Par contre, il n'y a que vous-même, vis-à-vis de vous-même, qui pouvez vous accompagner dans le fait de tout ce qui est sec et stérile. Basta rideau. Ça sert à rien de continuer à vouloir, je sais pas moi, arroser un truc qui est fané, quoi. Vous voyez? C'est ça un peu l'idée. Très bien. Allez, je vais aller chercher un message ou un conseil pour vous, mes lions, avec celui-ci.
Allez, message ou conseil pour mes lions avec celui-ci. Il y en aura deux. Donc, nous avons Siwar Kwente. Ok. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kwente pour obtenir courage, confiance et protection. Dans cet oracle-là, Siwar Kwente, alors ça peut résonner pour certains. Donc, je vous donne l'info. C'est l'archange Michael. Voilà. C'est vraiment l'idée de la nouveauté, fin de cycle, début de cycle, de trancher avec tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui peut être de votre propre ressenti toxique, pas sain, et surtout, vous protéger vous-même. D'accord ? Donc, vous êtes sur la bonne voie. On avait la traversée du désert. Oui, vous avez traversé un désert, mais ce désert n'était pas la mauvaise voie pour vous. Vous deviez le traverser pour aujourd'hui prendre les bonnes décisions pour vous. Et aujourd'hui, vous savez vous protéger. Et si vous avez le moindre doute sur ça, n'hésitez pas à invoquer, donc je vous le remontre, Siwar Kwente ou l'archange Michael. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec les battements du cœur de l'univers. La danse de la lune. J'ai l'impression que vous allez aller vraiment puiser au fond de tout votre émotionnel, ok ? Vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité émotionnellement. Vos intuitions sont toujours là. Ça, je dois vous le dire, parce qu'au départ, je vous avais dit, vous risquez de prendre une décision qui n'est pas dans vos habitudes ou qui ne semble pas logique, ou qui ne vous semble pas à vous logique. Il n'y a pas de logique, en fait. Écoutez vos intuitions, parce qu'on a vraiment l'idée de « je danse avec les énergies de la lune », donc « je danse avec les énergies de mon intuition ». Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière ? La lune, c'est aussi les mystères et ce qui doit être révélé, d'accord ? Et là, j'ai comme l'impression que vous allez peut-être oser aussi montrer un petit peu plus. Ok, pour certains et certaines, même si ça n'allait pas dans certains domaines ou certaines choses, vous avez toujours tout fait pour protéger les autres, pour ne pas leur imposer ce que vous vivez, enfin, de ce que vous pensez vous. Ouais, enfin voilà, j'ai pas envie de dire ci, de dire ça, pour pas venir plomber l'ambiance, ok. Et en fait, votre émotionnel doit être tel qu'il est. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'allez plus hésiter à... Voilà, j'ai ça qui me vient. Vous savez, c'est le « Salut, ça va ?»« Non, ça va pas. » Ah, et oui, parce qu'on a tellement l'habitude à ce que l'autre personne réponde « Oui, oui, ça va, merci, et toi ?» Même si ça va pas, qu'est-ce qu'on en sait en vrai ? Non, là, vous allez montrer tel que vous êtes et c'est OK. Ça fait partie de vous. Donc, pourquoi est-ce qu'on va l'enfouir pour continuer à fonctionner, parce que c'est mieux socialement, parce que si, parce que... OK, vous êtes protégé. OK, et si vous ne pouvez pas vous permettre d'être vous, même dans un émotionnel qui peut remonter un peu et qui peut venir pas vous plaire, mais je veux dire, voilà, vous avez certaines émotions, vous n'avez plus envie de faire comme si que tout va bien, ok, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes protégé. Et les gens qui, de toute façon, ne sauraient pas quoi en faire ou juste vous amèneraient des jugements et des trucs où ne vous soutiendraient pas, c'est le principe même de l'archange Michael, c'est que lui, en fait, il vient, il coupe et il purifie les liens. D'accord ? Donc, en fait, vous ne pouvez pas être atteint ou atteinte par des gens qui viendraient vous critiquer ou vous juger sur des sentiments cachés et profonds que vous auriez. Ok. Et avec celui-ci, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Allez, un dernier message ou conseil pour mes lions, s'il vous plaît, avec celui-ci. On vous dit bien que vous êtes en sécurité hein, avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ? Grande prêtresse. Maîtrisez le pouvoir mystique. C'est vous qui avez la maîtrise. La grande prêtresse, c'est la papesse, c'est l'impératrice. C'est pas l'impératrice, pardon, La papesse, c'est la voyante, la cartomancienne, celle qui étudie. Mais c'est pas parce qu'on étudie qu'on apprend des connaissances ou qu'on emmagasine des connaissances qu'on est obligé de tout dire, tout révéler. Non, c'est on a les infos, on les prend en considération, on fait en fonction, en écoutant ses intuitions. Et voyez, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que vous allez reprendre la maîtrise vraiment de votre propre pouvoir personnel. Toutes les infos, vous les avez. Vous allez passer à l'acte, j'ai l'impression qu'elle passe à l'action, qu'elle affirme quelque chose là. Je la sens comme ça, sur cette carte. Elle affirme quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais elle va pas se justifier de pourquoi
elle décide de prendre telle ou telle décision. Non, elle juste elle maîtrise son pouvoir et j'avais le divin là, l'Esprit Saint là. J'ai quand même lui là qui est ressorti. J'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal. Vous avez une armée derrière hein, sur le mois d'août. Ok. Et en dos de deck, j'ai mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. C'est précisément ce que nous dit ce truc de la lune là. Ok. À l'intérieur de vous, vous avez les réponses. Vous avez pu vouloir vous acharner à essayer de faire en sorte de sauver les meubles. Mais j'ai l'impression que là, vous avez même plus envie de sauver les meubles. Ok, les meubles, pourquoi j'ai ça? Okay. C'est pourri? Très bien. Ça dégage et je remplace. Et ça, ou alors, au moins, si l'occasion se présente, ben voilà, il y a la place. Voilà. Très bien. Voilà, mes lions, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser et vous dire au revoir. La prochaine guidance vous concernant, ce sera vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2024. Mais en attendant, tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.